Isidore Vouba serait dans un état critique. Une évacuation n'est pas à écarter dans les prochains jours ou mois. Des sources dignes de confiance nous ont alertés sur l'état de santé brinque-ballant du président de l'Assemblée nationale du régime du dictateur Denis Sassou Nguesso. Son absence remarquée et remarquable lors du discours sur l'état de la nation du despote congolais a été un point focal sur la rumeur qui circulait déjà sur la dégradation de sa santé. Selon certains membres du PCT qui se sont livrés à cœur ouvert, Isidore Mvouba aurait été empoisonné et la raison serait liée aux rivalités internes. Des allégations que nous ne pouvons pas confirmer pour le moment. Cependant, nous attendons son évacuation ici en France pour en savoir un peu plus. Denis Sassou Nguesso, qui craint de laisser des témoins pour ses crimes, s'active à éliminer tous les caciques de la vieille classe politique afin de mieux amorcer la passation de pouvoir de gré à gré à son fils. Nous ne cesserons jamais de dire assez. Isidore Mvouba a participé au lynchage des ressortissants Lari. Il avait refusé de se prononcer sur les crimes commis par Denis Sassou Nguesso, notamment dans la région du Pont, mais surtout dans l'affaire des disparus du Beach de Brazzaville. Affaibli par la maladie et le poids de l'âge, Isidore Mvouba est méconnaissable. Vanité de vanité, tout est vanité. Que sert-il à un homme de posséder le monde s'il perd son âme?